Bonjour à tous, bienvenue sur Vosges Télévision et sur la page Facebook de Terrain de Jeu. Merci beaucoup d'être avec nous en direct du lac de Gérardmer pour Terrain de Jeu Live, une émission entièrement consacrée à l'événement sportif du week-end. Je parle bien sûr du triathlon XL de Gérardmer. Tu pourras me faire un décompte là aussi. 1 km 900 de natation, 93 km de vélo, puis 21 km de course à pied pour finir en toute décontraction. C'est le modeste programme que se sont imposés les concurrents dès ce matin à 9h30. Les vainqueurs seront avec nous dans un instant sur ce plateau pour raconter leur exploit. Eux sont donc arrivés il y a environ 2h30, ils sont douchés, massés, pomponnés, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Une partie des concurrents est encore en train de puiser dans ses réserves pour aller au bout de l'épreuve. Nous serons avec eux sur le parcours. Nous recevrons également l'un des meilleurs Vosgiens, spécialiste de la discipline, Johan Matisse, sans compter les duplex sur la ligne d'arrivée avec Loïc Preganella, les reportages des équipes d'Alabama Productions. Je me sens plus que prête, je n'attends qu'une chose, c'est d'être sur la ligne de départ. Et la science lumineuse de notre consultant, Steve Chanel. Et cette émission, évidemment, vous pouvez la commenter sur les réseaux sociaux avec les hashtags TDJ Live et Je vois la vie en Vosges. Bonjour Steve. Bonjour. Alors Steve, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle tout d'abord que vous avez été cycliste professionnel sur route, Auber, Bbox Telecom, FDJ, AG2R, Cofidis. Non, ça vous a pas empêché de faire une excellente carrière? Oui, exactement. 9 ans chez les pros entre 2007 et 2015. Et vraiment un super boulot, comme on dit. Bon, ça s'est stoppé en 2015 et ça fait déjà 2 ans, ça passe très très vite. Alors aujourd'hui, vous avez votre propre équipe de cyclocross professionnelle qui s'appelle? Alors, c'est pas professionnel pour le moment. Presque. On va travailler pour ça exactement. Ça s'appelle le Team Chazal Canyon. On avait créé cette équipe maintenant il y a 2 ans avec mon épouse. C'était le Cross Team by G4, un club. Et là, on a franchi un nouveau palier puisqu'on est désormais inscrit en équipe internationale à l'UCI. Donc, c'est Team Chazal Canyon. Voilà, le petit monde du cyclocross commence à nous connaître. Donc, c'est vraiment cool, ouais. Je rappelle que vous êtes Vosgien également. Ouais. Vous êtes né à Remiremont en 1983. Bon, bref, personne d'autre que vous ne pouvez être ici présent pour être consultant sur cette compétition. Vous êtes le meilleur. Ouais, je ne sais pas si je suis le meilleur, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai fait toute ma carrière à Remiremont. Je suis né à Remiremont, dans les Vosges. J'ai toujours été un fervent pourvoyeur de mon département. Franchement, c'est le cas de le dire. L'émission en porte son nom, mais c'est un terrain de jeu idéal pour la pratique de tous les sports. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous sur ce week-end de triathlon à Gérardmer parce que c'est une ville dynamique, Gérardmer. On verra par la suite qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves sportives et c'est vrai que bah voilà, je m'éclate et puis je vais être avec vous sur tout le week-end, pas de souci. Avec grand plaisir. Dernière petite chose avant d'accueillir nos invités, nos premiers invités. La dernière fois que vous êtes venu ici, c'était au mois de juillet dernier, n'est-ce pas? Ah oui, c'était le 30 juillet, effectivement, j'étais revenu du Tour de France. J'avais fait 3 semaines comme consultant avec Eurosport. Et il y a la Trace Vosgienne, une épreuve organisée par le VSG Romois, justement, ici, qui organise ça autour du lac de Longemer. Et c'était la 2e année de suite que je mettais mon titre en jeu sur la Trace Vosgienne Marathon et je me suis encore imposé cette année. Donc dès qu'il y a des belles organisations comme ça va être le cas ce week-end, bah, je suis présent, sans souci. Bon, très bien Steve, alors on va vous mettre à contribution tout de suite parce que nous allons recevoir immédiatement les vainqueurs féminines et masculins de ce triathlon XL, si jamais... Ils sont encore à la douche. Ils sont encore à la douche. Pourtant, ils sont arrivés depuis un petit moment parce qu'il faut dire que c'est allé très, très vite. Les voilà. Alors, nous allons accueillir Cyril Viennot qui a 35 ans, qui vient de Dole, du Jura. Il a été champion du monde longue distance en 2015 en Suède. Venez approcher. Vous êtes les bienvenus. On attend également Barbara Riveros qui a été 5e au JO de Rio. Bienvenue à tous les deux et qui a remporté le triathlon XL il y a quelques instants.
Et puis, vous le savez, il n'est pas nécessaire de faire de brillantes études à la télévision pour travailler. Et donc, nous sommes tous, la plupart, assez ignares. Raison pour laquelle mon niveau en espagnol est exécrable. Donc, nous avons demandé à Vicky, qui elle a fait d'excellentes études et qui parle très très bien espagnol, de venir nous rejoindre pour nous aider. Vicky, qui par ailleurs est la speaker officielle de ce triathlon XL. Et du triathlon pendant tout le week-end. Voilà, tout à fait, en compagnie d'une super équipe de Jay Style et de Sylvain Diems. Et ce sera un plaisir de vous donner un petit coup de main à la traduction. Très bien. Première question, tout d'abord pour vous, Barbara. Alors, 1,9 km de natation, 93 km de vélo, 1900 mètres de dénivelé positif, ça a sa petite importance. Enfin, 21 km de course à pied, tout ça en 4 heures, 59 minutes, 45 secondes. On peut dire que c'est pas mal. Moins de 5 heures. Entendiste? Muy bien. Bueno, la verdad que muy contenta con el resultado y sí, bueno, no sabía que era una carrera muy dura, sabía que era una carrera que tenía mucha cuesta y que obviamente los tiempos no son rápidos, pero feliz de estar acá. Mi entrenador es de Suiza y me habló mucho de esta competencia y me dijo que viniera, así que muy contenta de estar acá y de correr en este bello paraíso. Voilà, donc je suis très contente d'être ici. Je savais que je devais m'attendre à une course difficile, compliquée, avec un beau niveau de compétition. Et mon entraîneur m'en avait parlé. Voilà, je savais ce à quoi je m'attendais. J'avais très envie d'être ici. Et je suis très heureuse, finalement, du résultat de la course. Avant de parler un tout petit peu avec Cyril, je voulais juste savoir une chose. À quel moment vous savez que vous avez gagné la course? Pendant la natation? Pendant la course à pied? Pendant le vélo? Une semaine avant d'arriver ici? En quel moment sabes que vas a ganar la carrera? En la natation? En la bici? En la carrera a pie o tal vez una semana antes de venir? No. Ah, la course à pied. Ouais, pendant la course à pied. Et à quel moment précisément? En la última vuelta. Ouais, dans le dernier tour. Dans le dernier tour, d'accord. Cyril, vous avez fini en 4 heures 37 minutes 12 secondes, c'est bien ça? Aucune idée. Alors c'est bien ça. Et même question. Vous, est-ce que il y a une semaine, vous étiez persuadé de remporter cette compétition? Alors, moi, je me suis inscrit mercredi, donc non, il y a une semaine, j'étais même pas prévu sur l'épreuve, en fait. Donc voilà, c'est un peu particulier. Moi, j'ai su que j'allais gagner dans le dernier kilomètre, à peu près. C'était assez serré. Il y a une semaine, vous étiez où exactement? Eh ben en fait, il y a 6 jours, j'étais au Canada avec l'équipe de France pour les championnats du monde longue distance. Je me suis fait renverser par une voiture sur le parcours vélo qui a traversé la route pile au moment où je passais. Il n'y a pas eu trop de casse, quelques égratignures et une petite douleur au niveau des fessiers, mais pas trop handicapante. Alors, mon collègue de chambre, c'était Sylvain Sudry sur cette course, qui a gagné plusieurs fois ici. Et il m'a dit, mais il faut que tu ailles à Gérardmer, il faut que tu ailles à Gérardmer. Il m'en a parlé pendant 2 jours. Il a fini par me convaincre et j'étais pas sûr de venir. Et puis finalement, mercredi, je me suis décidé, les douleurs diminuaient. Et j'ai dit, allez, on y va. Sylvain Sudry qui est vosgien et qui a terminé 17e aujourd'hui. Qui a le record de l'épreuve encore. Très bien. Mais les conditions météo étaient un petit peu particulières pour faire un temps quand même aujourd'hui. Ah bah oui, c'est sûr. Mais malgré tout, il a fait 4h20, moi je fais 4h37. Même s'il n'y avait pas plu, j'aurais pas fait 4h20. Il a fait vraiment un chrono qui va rester longtemps, je pense, ici. Alors aujourd'hui, on avait des conditions particulières, en effet. Il y a une question qu'on se pose. Alors, vous êtes le spécialiste. Moi, je suis un peu le béotien du triathlon, donc je me permets de poser des questions plutôt de béotien, en toute logique. La question que je me pose, c'est nous sommes ici dans un cadre tout de même relativement magnifique. Je me demandais si le cadre aidait ou si pendant la compétition, ça n'avait absolument aucune importance et vous étiez concentré sur votre allure, vos sensations. Et finalement, peu importe que vous soyez dans le plus beau massif français, c'est-à-dire le massif des Vosges, je ne dis pas ça parce que vous êtes du Jura, hein, ou que vous soyez autour du périph', c'est la même chose pour vous.
La cuestión es, bueno, esta competencia se desarrolla en un marco excepcional. Es el sistema montañoso más hermoso de Francia y se preguntaba si este marco tiene importancia a la hora de la carrera, si uno tiene tiempo de mirar alrededor, si esto ayuda, influye o si uno está con la cabeza metida en el manillar sin poder alzarla y sin poder disfrutarlo. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, realmente, como dije anteriormente, es un lugar muy hermoso y me recuerda mucho el sur de Chile, donde es mi lugar favorito. Yo vivo en Australia, pero sí, o sea, yo acá alucino viendo los paisajes y me encanta. O sea, carreras así me llenan a mí el alma de energía y me encanta. Así que, bueno, como dice, uno está muy concentrado en el manillar ahí, dándole duro, pero obviamente en algún momento se tiene que dar cuenta de lo maravilloso que es alrededor. Oui, effectivement, on a la chance d'avoir cette course dans un paysage absolument extraordinaire. Ça me rappelle beaucoup le sud du Chili, qui est une de mes zones préférées, même si je réside en Australie, c'est une de mes zones préférées. Et c'est vrai que ici on est dans un lieu absolument hallucinant. On hallucine vraiment de regarder autour de soi. Il y a des moments où pendant la course on regarde autour et c'est absolument fantastique. Même si c'est vrai que parfois on essaie de se concentrer, mais on lève la vue et ce qu'on voit autour, ça me remplit l'âme d'énergie positive, un cadre aussi fabuleux. Alors, puisqu'on parle des Vosges, avant de poursuivre, je tiens à dire que j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure et vous m'avez laissé le faire. En plus, j'ai dit que Sylvain Sudré était vosgien, c'est absolument pas le cas. Non, il est de Bordeaux, mais c'est gentil. Il a le cœur dans les Vosges, c'est bien. Merci. Mais Jean-François Verrier, qui lui est vosgien et qui est en régie, me dit que j'ai dit une grosse bêtise et que le premier vosgien est Christophe Bétard, qui a fini 17e. Jean-François, c'est bien ça? Merci beaucoup Jean-François, merci. Une toute petite question, vous Cyril, le cadre, ça influe aussi ou pas? Je dois avouer que pendant la course, non, je suis extrêmement concentré sur mon effort. Je regarde la route, les concurrents qui sont autour de moi, etc. Mais je ne regarde absolument pas les paysages, donc pour moi, ça n'a pas vraiment d'importance. Après, ça a de l'importance sur le déplacement lui-même, parce que là, je suis venu en famille, avec ma femme, les enfants, etc. Et le cadre, on en profite plus avant, après la course, mais pendant, je dois avouer que je suis extrêmement concentré. Donc, voilà. Okay. Bon, il faudra rester une petite semaine ici pour continuer à en profiter. Voilà, c'est ça. Mais c'est la rentrée lundi, malheureusement. Donc, D'accord. Non, heureusement pour nous, ça va être les vacances, ça va être nos vacances à nous maintenant. Mais c'est vrai que je le rejoins tout à fait. C'est souvent les gens autour de nous qui nous disent « Ah, oh, c'était fantastique, vous êtes passé là, à côté d'une église ou d'un super endroit pour avoir fait, par exemple, le Tour d'Italie ». Ma mère m'appelait le soir, oh, c'est fantastique, vous avez contourné les Abruzzes. Mais quand on est sur son effort concentré, on est avant tout, je crois, des compétiteurs. Et quand on a un dossard sur le dos, on fait un petit peu abstraction du territoire. On est vraiment très focus, comme on dit, sur sa propre performance. Donc forcément, quand on joue les premiers rôles, on ne peut pas se laisser disperser, ne serait-ce 15 secondes. Donc ils auront l'occasion ce soir d'aller faire un petit tour dans le centre-ville et de profiter. Mmh. Juste, Barba, je vous ai fini 5e. Au JO de Rio, vous ne cessez de progresser. Jusqu'où vous allez aller précisément? Est-ce que vous êtes la prochaine championne olympique sur triathlon? Mira, hiciste quinta en los Juegos Olímpicos. Desde entonces no has dejado de progresar. ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Serás la próxima campeona olímpica de triatlón? Bueno, la verdad es que este año mi objetivo había sido ir a Chattanooga al Mundial del 70.3, que es el siguiente fin de semana, pero mi nuevo entrenador fue honesto y me dijo que creía que no era fuerte en bicicleta todavía y por ende, bueno, decidimos venir para acá y bueno, obviamente... el objetivo es poder clasificar a los siguientes juegos y bueno,
obviamente estar metida ahí en la pelea. Así que, bueno, queda bastante tiempo y veremos lo que los tres años siguientes nos depara. Bien, c'est vrai qu'au départ, je m'étais fixé l'objectif du championnat du monde qui avait lieu donc ce week-end. Et sur les conseils de mon entraîneur qui pensait que je n'étais pas encore suffisamment forte sur le segment cycliste, on a décidé que je n'irais pas. On a décidé que je resterais travailler sur cette course. Et évidemment, l'objectif à partir de maintenant, il est vers les prochains Jeux, bien entendu. Et voilà, je continue dans la bagarre. Je suis là à me battre et à progresser vers cet objectif que sont les prochains Jeux. Encore une question de Béotien, ne m'en voulez pas. Hein. Si au bout d'un moment ça vous saoule, vous me le dites. Hein. Mais je discutais tout à l'heure avec les ingénieurs du son, les caméramans qui ne sont pas forcément des grands spécialistes aussi du triathlon. Ils me disaient, tu te rends compte, 1,9 km de natation, 93 km de vélo, 21 km de course à pied, tout ça en 4h30 et des brouettes. C'est incroyable comment ces mecs font. Alors, je ne vais pas vous poser cette question, comment ces mecs font, mais votre vie n'est que préparation. Quelle est la charge d'entraînement que vous vous imposez, entre guillemets? Combien de kilomètres de vélo, combien d'heures de natation par semaine? J'imagine que vous y consacrez l'essentiel de votre temps. Oui, ben on est pro, je pense, tous les deux. Et c'est 25 à 30 heures d'entraînement par semaine, avec en général 2 ou 3 entraînements par jour, des fois 4 dans les périodes de charge. Les journées où il n'y a qu'un entraînement, en général, pour moi en tout cas, c'est soit une journée récup, soit c'est qu'il y a 220 bornes à vélo, donc on fait que ça. Mais ouais, c'est beaucoup d'entraînement, mais en même temps, si on a choisi ça, c'est qu'on aime ça. Et puis il y a des belles satisfactions, comme gagner ici, voilà, c'est on ne peut pas se plaindre. Si, il y a des similitudes avec l'entraînement qui est le vôtre. Oui, sauf que c'est vrai que quand j'étais pro, c'était, il n'y avait pas de course à pied ni de natation, évidemment. Mais moi, je suis assez admiratif des triathlètes, justement, d'avoir cette pluridisciplinarité. Moi, je fais à peine de la muscu, je suis courbaturé, je suis un vrai cycliste, donc je ne sais pas courir. Enfin, ou du moins, je tape des pieds. Enfin, il y a une vraie technique, en fait, finalement. La natation, ce n'est pas juste pousser les bras. Le vélo, ce n'est pas juste appuyer sur les pédales. Bien et sûr. La course à pied, ce n'est pas juste avancer. Bien sûr. Il y a un vrai travail technique. Et quand j'entends les charges de travail par semaine, c'est vrai que ça me laisse admiratif parce que c'est ce que je faisais, entre guillemets, quand je faisais des très, très gros blocs de travail pour préparer les classiques Paris-Roubaix ou Milan-San Remo. C'était ça, à peu près 25-30 heures. Mais c'était que du vélo. Et quand je fais de la course à pied, je suis courbaturé. Enfin, il y a une vraie musculature totalement différente. Et c'est vraiment un sport un petit peu comme le ski de fond. Je suis admiratif de tous ces sportifs parce que c'est très peu médiatisé finalement. Et ces sportifs-là sont aussi exceptionnels que des coureurs du Tour de France. Donc franchement, chapeau à tous les deux. Hein. Je suis ravi de vous voir en vrai parce que quand je vous vois le peu de fois à la télé, parce que j'essaye de suivre, c'est assez impressionnant. Ouais. Alors, chapeau à vous deux, chapeau à tous les participants. On les voit, hein, il y en a encore qui sont sur le parcours que vous avez emprunté il y a de cela quelques temps. Nous avons la chance d'avoir Loïc Preganella sur la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il est possible de faire un petit tour pour aller voir Loïc? Loïc, normalement, vous êtes juste à l'endroit où ceux qui en finissent maintenant viennent d'arriver. Est-ce que vous pouvez parler quelques instants avec un finisseur? Bien sûr, bonjour à tous et bonjour Gaël et bonjour à tous sur le plateau. Voilà, là, on est en fait à 6h49 de course. On va arriver à la 900e place. Donc, il y a encore du monde derrière, mais là, c'est vraiment impressionnant, c'est des efforts. Alors, on va essayer de s'approcher un petit peu pour faire un finisher, peut-être Hervé? Alors Hervé, ce triathlon, comment ça s'est passé? C'est quoi les sensations là après 6h49 de course? 6h49, un peu difficile sur le vélo, super sur la course à pied. Et comme d'hab, une organisation au top, on est super contents, enfin voilà. Les conditions de météo, on en parlait tout à l'heure avec les favoris qui sont sur le plateau, c'était quand même assez compliqué, même si on arrive sous un beau soleil, c'est ça aussi les Vosges. Je fais une dernière question. Puis en fait, de ce côté, ça allait à peu près, mais quand on allait dans les deux autres vallées, c'était plus aigrel. Et je pense que les premiers, ils sont passés un peu entre les gouttes, mais derrière nous, on a bien ramassé. Mais bon, ça fait partie de la course. C'est comme ça, mais c'est super, quoi. Hervé, on te revoit sur... Tu viens du Ivry, je vois du club d'Ivry. On te reverra sur Gérardmer. Ouais, c'est déjà la deuxième fois et la liste fait que commencer.
Super. Bon, ben voilà, on a eu un petit mot de Hervé, du coup, finisher un peu avant les 900e places. Donc voilà, c'est toujours sympa d'être à la ligne d'arrivée avec ces finishers qui ont vraiment tout donné aujourd'hui. Merci beaucoup, Loïc. Nous sommes toujours avec les deux vainqueurs de ce triathlon XL, Barbara Ribeiros et Cyril Viennot. Toute petite chose avant de vous laisser. Après une course comme celle-là, il y a la récupération. Alors, cette nuit déjà, est-ce que vous allez passer une bonne nuit? Je sais que parfois, quand on fournit un effort violent, les nuits ne sont pas très bonnes. Et puis, il y a une autre question qui me brûle les lèvres. Certains enchaînent le XL avec le distance olympique demain. Est-ce que vous, vous l'avez prévu ou pas? Bueno, después de un esfuerzo como el de hoy, hay que hablar de recuperación. Y bueno, la pregunta es, ¿cómo está uno para recuperar? ¿Hace una buena noche, duerme bien o sigue con el estrés de la carrera? Y después preguntaba, ¿alguno de los triatletas han decidido, tras la distancia de hoy, hacer mañana el, sí, el découvert? ¿Es tu caso? ¿Te lo has planteado? ¿O? Bueno, supuestamente la recuperación cuesta bastante, uno queda muy como activado. Y generalmente la noche posterior a un evento, obviamente depende mucho a si uno se exigió mucho, de cómo duerme la siguiente noche, pero generalmente es una noche mala. Bueno, mi entrenador de broma me dijo, oh, sí, podría hacer la olímpica, ¿no?, el siguiente día, pero vine con una chica que nos quedamos en Suiza y ellas tienen que estar mañana en la tarde en casa, entonces al final yo creo que me voy a volver con ella, así que no voy a ser olímpico. Voilà, donc c'est vrai que la récupération, c'est pas toujours facile. La nuit après, on est encore très activé par l'effort et c'est souvent une mauvaise nuit. Effectivement, on dort pas bien. Et c'est vrai que mon entraîneur m'avait dit à moitié en blaguant que je pourrais faire le déo le lendemain. Mais il dit, mais en fait, je suis venu avec une compagne qui doit rentrer demain ensuite. Donc voilà, voilà, dans mon cas, je ne vais pas le faire. Voilà. Cyril ? Ouais, ben, pour moi, c'est pareil. Les nuits d'après-course, c'est jamais des très bonnes nuits. Alors, ce qui est bien, c'est que quand on est à l'hôtel, puis que le petit déj attaque à 6h du mat, en général, j'y suis à 6h. Comme ça, je laisse ma femme dormir et je vais au petit déjeuner, quoi. Et puis le XL, le déo le lendemain, très franchement, il y aura un gros niveau aussi sur le déo, donc il y a peu de chances que j'arrive à faire une bonne course après une telle course d'aujourd'hui. Et moi, j'ai encore des gros objectifs qui arrivent. J'ai un autre, la même distance que ça, samedi prochain. Donc non, je vais pas enchaîner, je vais récupérer. Ceci dit, on vous retrouve tous les deux l'année prochaine ici au triathlon de Gérard Armé ou pas? Oui, oui. Nos veremos, les veremos a los dos nuevamente el año que viene para defender el título. Mi caso depende de mi entrenador, ¿qué decide? Et dans mon cas, ça dépend de ce que mon entraîneur va décider. Vous me donnerez les coordonnées de votre entraîneur, je lui passerai un petit coup de fil, d'accord? Deja la coordenada del entrenador que le pasará una llamadita. Ouais, pour moi, je pense que oui, parce que le calendrier, les gros objectifs de l'an prochain, ce seront les championnats du monde, longue distance et puis Hawaï. Et ça colle bien pour revenir ici, donc il y a de fortes chances que je revienne l'an prochain. Quand on a gagné, on aime bien revenir sur les courses en général. Entendu, mais merci. Cette année, l'année prochaine, comme cette année, vous avez pu, grâce au parcours, profiter des Vosges côté montagne. Mais les Vosges, ce n'est pas que la montagne, ces paysages, la route des Crêtes, les chamois du Frankenthal, etc. C'est aussi la plaine et notamment la ville de Liffol-le-Grand, connue pour sa fabrication de chaises depuis 1865, mais aussi pour son école de menuiserie et d'ébénisterie, comme en témoigne cette jolie table en hêtre et en forme de V, comme les Vosges. Avant de nous y intéresser, je vais vous remercier quand même d'être venu parce que ça nous a fait très plaisir de vous avoir. Je parle pour vous, Steve, mais je pense que ça vous a fait plaisir aussi. Je l'ai lu dans votre regard. Ouais, non, les triathlètes, c'est des gens qui sont toujours très simples. Et je les vois, elle est encore en cuissard, elle a juste eu le temps de se réchauffer. Bravo à vous et vous faites un très très beau sport. Ben, merci. Merci à vous, Vicky, aussi. A vosotros que hacéis un deporte muy hermoso. Merci. Merci Vicky pour la qualité de votre traduction. Sans vous, on était paumés, hein, parce que ni Steve ni moi ne parlons vraiment très bien espagnol. Donc merci encore. On regarde maintenant ce sujet sur Liffol-le-Grand, un reportage de Pierre Banon et Émilien Gremillet. Et on se retrouve après avec un autre gigantesque athlète. A tout de suite. Pierre.
Riffol-le-Grand a commencé sa saga il y a 150 ans. On a commencé à fabriquer des sièges donc en 1965. La particularité de l'Ifol, c'est vraiment de fabriquer du siège à la base. Et on a la chance d'avoir des forêts de hêtres blancs tout autour de l'Ifol, qui permet un approvisionnement de matières premières très rapide et très régulier. L'AFPIA est un centre de formation donc, qui est dédié au métier de l'ameublement et donc qui forme des apprentis mais également de la formation professionnelle, donc des salariés, des demandeurs d'emploi. Alors on vient de réaliser en fait la conception avant de passer sur commande numérique sur logiciel de CAO, donc conception assistée par ordinateur. Donc la particularité en fait de cette table, c'est que dans le cahier des charges, on devait respecter le V de « Je vois la vie en Vosges ». On peut voir que le plateau vu du dessus est en V, mais aussi les trois pieds constituant le piétement. Donc les plateaux, on va les faire avec la commande numérique pour tout ce qui est découpe extérieure et la poche. Ça va nous permettre d'être super précis donc sur les deux, vu qu'il y a un gros assemblage et que c'est comme des grosses pièces. C'est bon ? Les premières machines à commande numérique ont été achetées en 1999 et le premier robot est arrivé en 2005. Donc ça a permis à Néosiège d'être encore là, hein, sachant qu'on reste toujours sur un travail qui est artisanal. Les manœuvres, on va dire, qui apportent de la valeur ajoutée au siège sont faites par des hommes. Donc. Il y a de très très belles entreprises. Malheureusement, quand on parle des Vosges, on parle souvent de la montagne et les gens ne connaissent que la montagne. Alors que dans notre zone, on a les violons à Mirecourt, on a les sièges à l'Ifol. Et c'est vrai que nos entreprises de l'Ifol meublent tous les plus grands palaces parisiens, européens et mondiaux. On est dans les Vosges et on oublie juste que les Vosges, c'est pas toujours que les Hautes-Vosges. Nous sommes toujours en direct sur Vosges Télévisions, la page Facebook de Terrain de Jeu depuis le lac de Gérardmer pour le triathlon XL. Et vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux avec les hashtags TDJ Live et Je vois la vie en Vosges, comme le beau t-shirt que Steve est en train de porter aujourd'hui même. Maintenant que nous savons tout sur l'ameublement vosgien et l'Ifol-le-Grand, on peut dire que notre vie n'aura pas été totalement vaine, mais il y a encore beaucoup de choses intéressantes à y faire dans cette vie, comme accueillir notamment l'immense triathlète Johan Mathys qui arrive derrière nous en ce moment en bateau. Johan Mathys qui a couru lui aussi ce triathlon XL. Johan qui, on le rappelle, a été sacré champion du monde de Xterra des 35-39 ans en 2015 à Hawaï. Il a fini 32e aujourd'hui, ce qui est un excellent temps, un excellent classement. En 5 heures, 4 minutes et 14 secondes, je vais accueillir Johan. Même... Ça va ? Le zapping. C'était une dernière épreuve pour... Après ce triathlon XL, c'était une dernière épreuve. Et puis c'était pour vérifier si vous souffriez de courbatures ou pas. Oui, j'ai pas mal de courbatures, effectivement. Ouais, comme vous avez pu voir, je maîtrise plus tout à fait ce que je fais à ce temps-ci. Venez avec nous, je vais vous accompagner, ce sera plus prudent. Voilà, exactement, cascadeur, nouveau métier. Donc Johan, 32e, 5 heures, 4 minutes, 14 secondes. Ouais. On rappelle que vous êtes vosgien. Tout à fait, ouais, je suis de Gérardmer. De Gérardmer. Maintenant j'habite sur le Touly, mais je suis né à Gérardmer, j'ai passé toute mon enfance à Gérardmer. Ouais. Alors, les habitants du Touly, Steve ? Les Taulards ? Ah, voilà. Presque ça. Les Cafrans. Merci. Cafrans, ouais. Bon, comme ouais. Ça, on aura appris un truc tous les deux, au moins. J'aurais pas trouvé. Hein. Exactement, moi non plus. On n'aura pas assez de l'émission pour trouver le nom. Bon, tout d'abord, on veut vous dire qu'on est content de vous avoir sur le plateau, déjà, parce que vous avez survécu à cette Merci de m'avoir invité. Ouais, j'ai eu chaud, là. Bon, ça va, c'est que le pied, mais ça aurait pu être plus grave. Ouais. Et puis, plus grave.
Et puis parce que il y a deux semaines, c'est ça, à Vouglans, vous avez disputé un autre triathlon, ouais. Vouglans, donc dans le Jura. Oui. Et là aussi, il vous est arrivé une petite bricole. Vous avez fait connaissance de près avec un camping-car, exactement, si j'ai bien suivi. Exactement. À mi-parcours vélo, le parcours était ouvert à la circulation et j'ai percuté. Enfin, on a eu un accident avec un camping-car. Et effectivement, je pensais pas pouvoir courir. Du coup, quand je me suis relevé de la chute, je pensais pas pouvoir courir aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pu le faire. Donc je suis content de, voilà, d'être ici et d'avoir pu courir parce que c'est, je pense que j'ai eu chaud, ouais, effectivement. Est-ce que vous vous êtes ressenti de cette chute aujourd'hui pendant la course? Vous aviez encore des douleurs? Ouais, je l'ai surtout senti en course à pied, en fait, avec les chocs. Et puis voilà, c'est surtout là que ça m'a gêné. En natation et en vélo, ça a été pas trop mal. Ça m'a pas trop gêné. C'est en course à pied que ça a un peu coincé, quoi. Alors, il y a une différence évidente, enfin qui est encore plus évidente pour vous maintenant, entre un triathlon comme celui de Vouglans et celui de Gérardmer. C'est qu'ici, la circulation est fermée. Ouais. Alors ça, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment un plus. Et on court de façon beaucoup plus détendue, effectivement, quand on n'a pas à faire attention à la circulation, aux gens qui sont en train de se promener en voiture sur le parcours, c'est quand même... Donc effectivement, le triathlon de Gérardmer, il n'y en a pas beaucoup en France comme ça, avec une circulation fermée, mais ça, c'est vraiment un plus pour nous, effectivement. Steve ? Ouais, j'avais appris à travers la presse le pet que tu avais eu et moi j'étais persuadé que tous les triathlons c'était un petit peu comme finalement les courses sur route, hein, c'était quand même sur route fermée. Et effectivement, pour être venu en vélo ce matin, quand tu descends Grosse Pierre, si la route était ouverte à la circulation, ouais, ça aurait été beaucoup plus dangereux. Ouais. Et à mon avis, les 15 derniers jours, tu n'as pas dû avoir aussi le bon entraînement pour être frais aussi ici. Donc finalement, de faire à peine plus de 5 heures, moi, je te tire mon chapeau quand même. Hein, oui, merci Steve. Non, c'est sûr que là, pendant 15 jours, j'ai vraiment fait le strict minimum. Hein, pendant une semaine, j'ai rien pu faire déjà. Après, j'ai commencé à reprendre un petit peu la natation dans le lac pour voir ce que ça disait. Sur le vélo, j'ai senti que ça s'améliorait de jour en jour. Mais c'est vrai que la course à pied, ouais, ça restait compliqué pendant les deux semaines là, quoi. Mais bon. Et est-ce que psychologiquement, tu as été marqué par ce carton, j'imagine ? Je ne peux plus approcher un camping-car, ouais, à moins de 30 mètres, ça c'est clair déjà. Mais oui, effectivement, quand j'ai repris le vélo sur la route, route ouverte, c'est sûr que c'est compliqué. Et puis, tu roules beaucoup aussi, tu vois bien que sur la route, moi je trouve que c'est de plus en plus dangereux, quoi. Les gens, voilà, y a beaucoup d'agressivité, les gens qui ne font pas trop attention non plus. Et je trouve que c'est de plus en plus dangereux, quoi. Alors, je fais aussi du VTT et je trouve qu'en VTT, hein, on est quand même bien tranquille. Tu m'étonnes. On va parler je le rejoins à 100%. C'est vrai que c'est une petite parenthèse qu'il faut faire. C'est qu'il y a de plus en plus d'incivilité, aussi bien à côté. Bon, vélo, des fois, oui, on aussi prend effectivement beaucoup de place, mais aussi avec les véhicules. C'est vrai qu'il y a une collaboration qui est quand même de plus en plus compliquée pour faire entre 20h et 25h de vélo par semaine. Oui. C'est clair que il n'y a pas une ou deux sorties sans que je prenne un petit coup de klaxon ou un rétro qui passe à 30 cm et ça peut aller très très vite. Il était victime d'un accident, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc si les automobilistes nous regardent, ça coûte rien de mettre un petit coup de latte, un petit coup de frein, comme on dit, d'attendre 5 secondes parce qu'on est des passionnés, on fait notre sport et ce serait quand même con qu'on rentre à la maison avec un poignet en moins, une clavicule. Et ça, ce sera encore de la chance parce qu'il y a quand même beaucoup de décès aussi chaque année. Et que ce soit les triathlètes, les cyclistes, tous ceux qui pratiquent des sports extérieurs, il faut faire attention parce que finalement, on fait ça pour être en bonne santé et pour se défouler. Et si on rentre à la maison et qu'on laisse une veuve avec des enfants, on peut le dire, ça fait chier, quoi. C'est clair. Oui, je comprends, ouais. Oui. En effet. Ouais. On va parler un petit peu plus longuement avec vous, Johan, mais avant, j'aimerais qu'on regarde un reportage de Quentin Dousseau, Émilien Grémillet et Sébastien Clerc qui a été tourné en juin dernier et qui permet à la fois de mieux vous connaître, mais aussi de constater qu'ici, dans les Vosges, vous vous entraînez dans un cadre relativement agréable. Je m'appelle Johan Matisse, j'ai 39 ans, j'habite sur les hauteurs du Tholy à proximité de Gérardmer avec mes deux enfants et ma femme. Je fais du triathlon depuis 25 ans pratiquement, j'ai commencé à Gérardmer, premier triathlon en 91 je crois, j'étais assez jeune. Ce que j'aime dans le triathlon,
C'est la variété du sport, c'est la variété de la pratique quotidienne, à l'entraînement, on ne s'ennuie pas, on change régulièrement d'activité. C'est un sport aussi où le mental est vraiment important. Ça joue autant dans la tête que dans le corps, donc c'est aussi un aspect qui me plaît bien dans le triathlon. Il est très complet dans les trois sports, que ce soit en natation, en course à pied et en vélo. C'est quelqu'un de puissant. C'est un métronome, c'est-à-dire une fois qu'il est parti, c'est une machine à rouler. J'ai pas d'entraîneur, j'ai pas de préparateur. Je me connais bien maintenant, je suis plus tout jeune, donc je gère moi-même mes entraînements. Pour moi, le triathlon de Gérard Mé, c'est quand même un des triathlons les plus difficiles qui soit que j'ai eu l'occasion de faire. Parce qu'il y a beaucoup de participants, une grosse densité avec des athlètes de partout sur la planète. En France, bon, il y en a certains qui se démarquent, mais le triathlon de Gérard Mé, maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est là. Il a une certaine structure, le parcours est vraiment sympa, il y a un public. C'est aussi un triathlon où j'éprouve beaucoup de plaisir parce qu'il y a beaucoup de monde que je connais sur le parcours, il y a beaucoup de gens que je connais qui viennent m'encourager et c'est un vrai plaisir de courir à Gérard Mé. C'est sûr, il faut avoir une certaine hygiène de vie. Après, ça n'empêche pas qu'on peut profiter aussi des bons moments. J'aime aussi faire la fête avec les copains, j'aime aussi avoir ma famille. J'essaye de tout concilier, mais c'est quand même un mode de vie assez particulier dans le sens où ça prend beaucoup de temps et ça demande une certaine rigueur d'entraînement au quotidien. Au vu de ses derniers résultats, s'il continue comme ça, il n'y a pas de raison. Et puis, bon, c'est quelqu'un qui laisse rien à la légère. S'il s'est inscrit, il veut le faire dans les meilleures conditions. Donc, dans tous les cas, il arrivera à Gérard Mé prêt. Comme il le souhaite. En plus, il habite dans le coin, donc niveau vélo, tout ça, niveau course à pied, il n'y a pas de souci. Il va s'entraîner comme il faut pour arriver près le jour J, quoi. Alors, Yann, votre premier triathlon de Gérard Mé, c'était en 1991. Oui, je crois, effectivement, c'était avec le vélo de mon grand-père à l'époque qui était bien trop grand pour moi. Je crois que c'était à l'époque encore des casques à boudin d'ailleurs. Et ouais, c'était. On nageait déjà dans le lac, alors que maintenant les gamins, les plus petits, nagent dans la piscine. Et ouais, j'ai commencé de bonne heure, quoi, effectivement. Vous les avez tous faits depuis ou non, alors non, vous non. Avez sauté 2-3? Non, j'en ai fait pas mal jusqu'en 95, 96. Et puis après, j'avais un petit peu laissé tout ça de côté pendant une dizaine d'années pratiquement. Et je m'y suis remis en 2009-2010 à peu près. Juste un mot encore là-dessus. On dit qu'ici, l'ambition est de changer tous les ans, de proposer quelque chose de différent. Vous avez vu cette évolution? Ah oui, non, c'est sûr que l'évolution, elle est énorme. Enfin, le triathlon, il a grandi au fur et à mesure des années. Et maintenant, on a quand même un triathlon qui est reconnu au niveau européen, je pense, voire même mondial, hein, parce qu'il y a des gens qui viennent en dehors de l'Europe. Donc oui, c'est vraiment devenu une grosse manifestation sportive. Ouais. Okay. Donc vous qui êtes d'ici, quand on joue au foot, on dit que c'est un avantage de jouer à domicile. Est-ce que c'est aussi le cas quand on fait du triathlon? Ah bah c'est clair, hein. Déjà par rapport au parcours emprunté, c'est des routes d'entraînement que sur lesquelles je roule régulièrement. Donc c'est sûr que c'est un avantage de connaître les descentes notamment. Surtout aujourd'hui, elles étaient mouillées, donc il fallait quand même connaître un peu les trajectoires. Et puis par rapport aux encouragements qu'on peut avoir aussi sur le bord des routes, il y a beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde malgré la météo qui était présente sur le bord des routes et voilà, ça fait chaud au cœur d'entendre des encouragements tout au long du parcours. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, vous avez été champion du monde de Xterra à Hawaï, c'est ça? Oui, c'est ça, en 2014. Ouais. En 2014, le Xterra, c'est... Alors le Xterra, c'est quasi comme le triathlon, sauf qu'on remplace le vélo de route par du VTT et on remplace la course à pied sur route par du trail. Il y a un autre Vosgien qui a été champion du monde de Xterra lui aussi. Oui. C'est Christophe Bétard. Christophe Bétard, ouais. Est-ce que vous profitez
de votre proximité géographique pour vous entraîner ensemble pour, ou alors ça... chacun de votre côté et vous voulez pas vous rencontrer? Non, loin de là, on s'apprécie beaucoup. On essaye de nager ensemble de temps en temps sur Épinal. Pour l'instant, ça se limite à ça parce que voilà, il faut réussir à coordonner les emplois du temps, c'est pas toujours simple. Hein. On a beaucoup d'occupations. Mais oui, effectivement, on essaye de nager de temps en temps ensemble. Est-ce que Steve pourrait éventuellement vous donner des coups de main sur le cyclisme ou pas? Je pense qu'il y aurait toujours des trucs à apprendre de la part de Steve au niveau cyclisme, c'est clair. On pourrait échanger avec des conseils sur la natation. Ou... Il y aura plus de conseils à me donner que moi à te donner, hein, finalement. Parce que la partie vélo, bon, j'ai presque envie de dire, de mon côté, hein, je pense que c'est quand même la partie peut-être la plus facile. La moins technique. La moins technique, ouais. Quoique, ouais. Oui, il y a toujours des choses à apprendre. Mais la question que je vais te poser, c'est tu l'as fait avec un vélo de chrono, les trois tours, ou tu avais un vélo traditionnel? En fait, j'avais un vélo de chrono jusqu'à il y a 15 jours, avant ma rencontre avec le camping-car. Donc là, malheureusement, le vélo, il est cassé. Et donc, je suis repassé sur un vélo traditionnel. Et c'est sûr que c'est quand même un peu différent, notamment sur toutes les parties roulantes, où je voyais bien que les gars qui avaient les vélos de chrono m'enrhumaient un petit peu, quoi. Après, c'est quand même un triathlon où il y a pas mal de dénivelé, donc la différence n'est pas énorme non plus. Mais c'est vrai que quand on a pris l'habitude de rouler avec un vélo de chrono, c'est difficile de repasser sur un vélo traditionnel. Alors, il y a une question qu'on se pose. Vous avez des résultats exceptionnels, formidables. Vous êtes amateur. Quelle est la différence entre un amateur comme vous et un professionnel? À quoi ça se joue précisément? C'est dans le timing de la semaine, je pense. Il faut un peu tout chronométrer. C'est vrai qu'il n'y a pas trop de temps mort. Effectivement, j'ai un boulot qui me prend 39 heures par semaine. J'ai ma famille, mes gamins aussi. Mais bon, ça, c'est nourrissant aussi, je veux dire, la famille. Bon, voilà. Donc, par rapport à un professionnel, je pense que c'est peut-être les temps de récupération qui seront différents. Il pourra récupérer plus facilement. Et puis je m'entraîne quand même moins qu'un professionnel, hein. Moi je suis entre 10 et 15 heures pour les grosses semaines. Un professionnel en triathlon, il s'entraîne vite 25-30 heures par semaine quand même, hein. Donc il y a quand même une différence au niveau des heures d'entraînement, hein. Il y a un écrivain qui s'appelle Julien Green qui disait j'écris mes romans pour savoir ce qu'il y a dedans. Est-ce que vous réussissez à savoir ce que vous allez chercher et pourquoi vous courez? Alors ça, c'est une bonne question. Moi, je suis un peu hyperactif, donc c'est vrai que c'est les activités d'endurance comme ça, ça me convient vraiment bien depuis tout le temps, j'ai l'impression. Et puis en plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on habite dans un endroit qui est quand même fabuleux à parcourir à pied, en vélo, même en natation dans le lac. Et moi, je suis un amoureux de la nature, donc... À la base, quand j'ai repris le sport en 2009-2010, c'était pour l'aspect santé et puis l'aspect des découvertes du milieu naturel. Et pour ça, le triathlon, moi, je trouve que c'est top, quoi. Alors, il y a quand on pratique aussi le sport, une forme d'addiction, hein, qui est possible, qui n'est pas forcément vicieuse d'ailleurs. Est-ce que vous imaginez vous arrêter un jour ou ça vous semble impossible? Vous êtes encore loin de lui, mais je pense à Robert Marchand qui a 105 ans, qui a encore fait quelque chose d'absolument incroyable à peu de temps. Vous pensez que vous continuerez? Ah non, c'est sûr que c'est un peu addictif, on est bien d'accord, surtout quand on s'entraîne tous les jours. Effectivement, ça peut être addictif. Après, j'ai déjà arrêté une fois, j'ai déjà arrêté une fois pendant pratiquement 10 ans. Moi, je faisais plus de sport de compétition, je faisais quand même du sport. Mais après, faut trouver d'autres objectifs, quoi. Mais ça peut être en dehors du sport aussi, hein. C'est dur, hein. C'est dur quand on est en période de repos parce qu'au bout de 10-15 jours, on ne se rend pas compte. Mais c'est les gens autour de nous qui nous disent « mais vivement que tu reprennes parce que tu commences à être vraiment pénible ». Il y a une vraie décharge d'adrénaline, de dopamine, tout ce qui est, j'ai envie de dire, biologique. Et voilà, je pense qu'on a commencé le sport très jeune. Tu disais aux alentours de 6-7 ans, dès qu'on a besoin de se défouler. On est aussi habitué, hein. C'est un petit peu con, mais c'est un peu la même comparaison que les fumeurs, hein. Ils n'arrivent pas à s'arrêter, nous c'est un peu pareil. Ouais. Et clairement, Robert Marchand, c'est assez exceptionnel ce qu'il fait, mais
Mais je crois que le triathlon, c'est un beau sport parce que justement, il y a tout le temps, chaque année, peut-être des nouvelles organisations, des nouveaux challenges avec plusieurs distances. Ouais. Je trouve que c'est un sport, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure avec le vainqueur d'Uxelles qui disait bah, quand on s'ennuie en vélo, bah, on peut faire le lendemain de la course à pied. Tout à fait. Ouais. Et c'est beaucoup moins monotone que de faire un seul sport. Il n'y a pas de lassitude, effectivement. Et puis, on peut jouer avec la météo. Ici, c'est des fois un peu capricieux. C'est vrai que quand il flotte, moi je roule assez rarement quand il pleut parce qu'on peut aller courir, on peut aller nager, voilà, on s'adapte aussi à ça, il n'y a pas de lassitude, on varie tous les jours, c'est ça qui est bien dans le triathlon. Hein. Eh ben, y en a qui ont encore la chance d'être sur le parcours et donc de profiter de toutes ces bonnes sensations. On va les retrouver grâce à Loïc Preganella qui est toujours sur la ligne d'arrivée. Loïc, ils sont en train de fournir quelques efforts depuis 8h30 ce matin. Ouais, c'est ça. Là, on est à 7h15 de course, donc on retrouve pas mal de clients, on va dire, là, de finishers qui sont vraiment, vraiment, vraiment épuisés pour certains. Et je rappelle quand même la petite poigne de Monsieur Charbonnier à l'arrivée. On va peut-être pouvoir en voir une là, si on a une arrivée. Voilà, on va essayer d'interviewer Christophe qui est en train d'arriver là. Voilà, Christophe, un petit mot pour l'émission en live. Alors, ce triathlon, à bout de 7h15, toujours aussi dur. Et toujours aussi plaisant, beaucoup d'ambiance, beau parcours, bonne organisation. Un petit regret, les enfants, s'ils pouvaient venir avec à l'arrivée, ce serait beaucoup plus sympa. Donc on va falloir... beaucoup d'heures par année, c'est leur récompense. Je pense pas qu'on gêne beaucoup de gens, donc petit coup de gueule, le reste impeccable. On fera remonter à Monsieur Charbonnier qui est à côté pour que la prochaine fois il y ait les enfants, mais ça n'empêchera pas de revenir. Non, du tout. C'est très très bien. Juste une petite question par rapport aux conditions météo et au paysage. Est-ce qu'il y a des moments quand on est dans le dur comme ça, est-ce que le fait d'être dans de beaux paysages, dans des beaux cols ou autour d'un lac comme ça, est-ce que ça aide à tenir? Ça aide à tenir, mais ça reste très difficile. Pardon. Merci beaucoup. Merci Loïc. Johan, restez avec nous. Nous souhaitions également mettre à l'honneur une concurrente amateur qui participe à ce triathlon pour la première fois. Et nous avons eu la chance de rencontrer Héloïse Piron, qui en a terminé en 5h55 minutes et 38 secondes, si c'est bien ça. Bienvenue. Merci. Héloïse, vous êtes belge, vous habitez Serein, près de Liège, vous avez 23 ans. Alors, je dois dire que j'ai eu la chance d'être sur la ligne d'arrivée au moment où vous l'avez franchi. C'était assez spectaculaire. Vous étiez déjà très émue. J'espère que je ne brusque pas votre pudeur en disant que vous étiez au bord des larmes. Et que sur le moment, c'est vrai que vous étiez aussi extrêmement fatiguée. Je n'étais pas qu'au bord des larmes, je pleurais vraiment. J'étais fatiguée, fort émue et mes jambes ne tenaient vraiment plus. Donc je me suis effondrée, mais c'était très émouvant comme arrivée parce qu'on a bravé les éléments. Donc très épique, on va dire. On va continuer à discuter avec vous, mais avant, on va regarder un reportage de Quentin Dousseau et Émilien Gremillet. Ils vous ont suivi ici à Gérardmer avec votre petite troupe. Il y avait votre père cycliste. Est-ce que vos deux sœurs qui sont nageuses étaient là également? Non, je suis venue juste avec mon papa et ma maman, d'accord, ainsi qu'un groupe de triathlètes. Entendu. On va regarder ce reportage qui a donc été tourné peu de temps avant le départ de cette compétition. Le triathlon a une renommée énorme en Belgique. Il y a vraiment peu de Belges qui ne le connaissent pas. Tout le monde me dit « Waouh, Gérardmer, c'est le triathlon que tu dois faire une fois dans ta vie, si pas tous les ans. » Les Belges disent que c'est un des plus beaux triathlons qui existent dans le coin. Héloïse, quand elle fait quelque chose, c'est toujours à fond. Et donc la pression, elle se la met elle-même. Mais c'est un stress qui, j'espère, est positif, quoi. Donc c'est obligatoire, de toute façon, chez un sportif, d'avoir ce stress, quoi. Tout notre rythme de vie est calqué sur le triathlon. On se lève, on pense triathlon, on mange, on pense triathlon, on se couche, on pense triathlon. C'est vraiment un mode de vie et une véritable passion. Elle va se mettre en première ligne au niveau de la natation. Parce que bon, c'est une nageuse, donc elle va partir à fond au niveau de la natation, ça c'est son objectif. Après le vélo, ben, elle a plus de difficultés avec le dénivelé, donc je pense qu'elle sera plus en résistance et elle va essayer de faire un vélo raisonnable pour pouvoir après courir correctement. Elle est préparée pour, elle a fait ce qu'il fallait pour y arriver. Elle a une grosse préparation sans bobo physique. J'espère pour elle que tout se passera bien et qu'elle pourra être heureuse en arrivant. Je me sens plus que prête. J'ai fait des kilomètres pendant les vacances dans les trois sports.
Et je n'attends qu'une chose, c'est d'être sur la ligne de départ. Toujours en direct du lac de Gérardmer sur Vosges Télévisions, la page Facebook de Terrain de Jeu avec Johan Matisse, Steve Chenel et Héloïse Piron. Héloïse, donc, ce n'était pas votre premier XL, vous avez participé à celui de Deauville en juin dernier, mais votre première participation ici, on l'a dit, vous avez parlé de la douleur que vous avez ressentie à l'arrivée. Alors, est-ce que vous êtes convaincu ou vacciné à vie ? Je suis convaincue, mais pas sûre que je reviendrai quand même dans les années qui arrivent, peut-être sur le distance olympique, mais pas tout de suite sur le long. Qu'est-ce qui vous a semblé ça, mais... ouais. Je suis sûr qu'elle dit ça, mais quand demain elle va voir la météo qui va se découvrir, elle va avoir envie de revenir faire le XL. Parce que finalement, le tour de vélo, vous avez eu 3 tours, mais tu vas avoir envie de revenir pour le faire tranquillement, aller encore se balader dans l'école. Bien souvent, après la course, on a toujours le petit coup de « Ah, fini, terminé !» Et puis, ça se trouve, lundi, bon allez, je me réinscris pour les prochaines. Oui, c'est vrai que je pense un peu « Non, c'est fini, j'arrête le triathlon, j'en ferai plus jamais de ma vie. » Mais j'en refais la semaine prochaine, donc c'est raté. C'est toujours comme ça, en effet. Ouais. Qu'est-ce qui vous a semblé le plus difficile ? Ce sont les 1900 mètres de dénivelé positif. Vous disiez que vous n'étiez pas une très grande grimpeuse, en tout cas que ce n'était pas votre spécialité. C'est loin d'être ma spécialité. Je suis plutôt une puncheuse, on va dire. Donc, je roule beaucoup mieux sur le plat. Mais ce n'est pas spécialement le dénivelé que j'ai trouvé le plus dur. C'est plus l'association météo avec... Je ne suis pas sûre d'avoir très bien géré en fait, ma partie vélo parce que le dernier tour a vraiment été très difficile. Les crampes commençaient à apparaître un peu partout. Donc, je ne suis pas spécialement sûre que ce soit le dénivelé qui ait été le plus dur. Johan, est-ce que ça vous rappelle, vous, les premiers triathlons XL que vous avez courus, l'expérience qu'est en train de décrire Héloïse ? C'est vrai que l'aspect gestion de la course sur le XL, c'est vraiment quelque chose de très important. À la différence près que moi, je connaissais bien le parcours, vu que voilà, je suis d'ici. Donc, je l'avais déjà fait réaliser 3 fois. Et voilà. Le fait d'arriver, de ne pas trop connaître le parcours, c'est sûr que c'est difficile à gérer. Quoi. C'est sûr que je ne connaissais absolument pas le parcours, vu que c'est la première fois que je viens dans les Vosges. Mais je l'avais repéré une fois en voiture, mais je ne suis pas sûre que ce soit la même chose qu'à vélo. Donc c'était un peu tâtonnement le premier tour, mais au final, oui, peut-être que je reparais, je ne sais pas. Vous en parliez un petit peu dans le reportage qu'on a vu, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de venir ici ? Quelle réputation il a auprès des athlètes que vous côtoyez régulièrement ? Il n'y a pas un seul Belge triathlète qui ne connaît pas ce triathlon, en fait. Et je m'étais déjà inscrite donc, pour venir, comme je l'ai déjà expliqué. Et j'ai malheureusement été blessée. Et donc, je voulais absolument rattraper le temps, on va dire, mais sur la distance supérieure. Donc, je me suis dit, bon, j'ai plein d'amis belges. Là, je crois que j'avais vu qu'on était 750 Belges sur le week-end. Donc, c'est énorme et j'ai au moins une cinquantaine de personnes que je connais. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de passer un moment entre amis. La communauté belge, 750 triathlètes, je crois que ça fait un cinquième du nombre des inscrits ici. Donc, en fait, vous êtes chez vous, quoi. C'est vive la Belgique. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'équipes de professionnels de route ou de cyclocross qui viennent en Belgique pour se préparer. J'ai eu la chance l'année dernière d'accueillir l'équipe de Wout Van Aert, donc champion du monde de cyclocross. Et c'est vrai que durant ma carrière pro, quand j'ai changé avec les Wallons ou les Flamands, c'est pas si loin que ça les Vosges. Donc plutôt que de descendre dans les Alpes pour faire des training camps, comme ils appellent ça, ils viennent dans les Vosges. Et c'est vrai que je ne savais pas qu'il y avait autant de Belges au départ, mais il y a une vraie communauté qui se retrouve ici, tout autour des montagnes, pour pouvoir faire l'école. Et c'est pas loin de chez eux, et puis l'autoroute est gratuite. Exactement, on n'a pas payé un rond. Et puis on apprécie aussi, parce que souvent ils mettent l'ambiance dans les montées du parcours. Et je crois qu'effectivement, c'est souvent les Belges qui mettent le feu. En effet, ouais, c'est là où je voulais en venir. Je me suis dit, avec une communauté belge aussi nombreuse, est-ce que vous sentez une ferveur particulière ici ? Oui, pas mal. Surtout dans la première côte, là, quand il y a vraiment toute la communauté belge avec les drapeaux, les cris. Quand on sait qu'on est belge, on reçoit beaucoup, beaucoup plus d'encouragement. C'était énorme. C'est vrai que le vélo, c'est vraiment un sport
très connu en Belgique pour avoir fait le Tour des Flandres, Gent-Wevelgem ou même l'Amstel et Flèche Wallonne. C'est un vrai public de connaisseurs et qui est là pour venir voir des héros. Donc forcément, ils n'ont aucune envie, c'est que du premier au dernier, ils les encouragent. Et je vous dis, même lorsque c'est le Tour des Flandres et qu'on est dans le groupe Eto, y a quand même une vraie ferveur, il y a la bière qui coule et c'est une vraie fête. Donc, finalement, moi, je lui prends un peu sa place et peut-être que l'année prochaine, je vais me lancer sur le XL en fait. Mais avec plaisir, on vous suivra. C'est une question qui s'adresse à vous trois, mais vous, Johan, vous avez des gens qui vous suivent ici. On vient de parler de vous et des gens qui vous ont sans doute beaucoup encouragé sur le chemin. Vous, vous êtes habitué, Steve, tout le monde vous suit toujours. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en dehors de l'aspect motivant que ça peut représenter, ça peut être un piège aussi? Car on sait que s'enflammer à un moment de la course, quand on est poussé par les gens, ça peut aussi tout simplement nous cramer, excusez pour le terme un peu familier. Oui, c'est sûr qu'il faut quand même réussir à rester dans sa bulle et pas trop en sortir, effectivement, pas trop s'enflammer, sinon on le paye cash, quoi. Ici, sur le triathlon XL, si on part trop vite, premier tour, même si on grimpe un col trop rapidement, on le payera forcément à un moment ou à un autre. Donc effectivement, les encouragements, c'est super sympa, mais il faut quand même, il faut toujours rester dans la gestion de la course, quoi. Je suis d'accord avec lui, ouais. J'ai déjà fait une fois l'expérience de m'enflammer parce que je recevais des encouragements de tout le monde. J'ai terminé la course à la ramasse, presque en marchant, donc c'est vraiment un véritable piège. D'accord. Juste une toute petite dernière question et après on retrouvera Loïc avec ceux qui en finissent encore. En règle générale, on pense que l'expérience détient plus de savoir et de connaissances que la jeunesse. Donc, comme vous avez un tout petit peu plus d'expérience que Héloïse, est-ce que vous avez deux, trois trucs à lui faire partager? Ah, je suis preneuse, hein. Déjà, il faut revenir pour commencer. Non, après, je pense que tu sais comment t'entraîner. Enfin, voilà, après, faut pas hésiter à faire des enchaînements à l'entraînement. Enchaîner du vélo avec de la course à pied, ça, c'est important. Et puis voilà, après, ça vient avec l'expérience, quoi. J'ai la chance d'avoir un très bon encadrement avec un entraîneur à Ironman, donc... Donc t'es déjà bien entouré. Alors vous en êtes la preuve, c'est un triathlon international, mais il n'y a pas que des Belges, même s'il y en a beaucoup, il y a aussi des Hollandais, des Hollandaises. On va en avoir la preuve grâce à Loïc Preganella qui est sur la ligne d'arrivée avec une concurrente. Exactement, Gal, je suis avec Monique. Alors par contre, Monique vient des Pays-Bas, donc je pense que comme je suis pas très bon en anglais et que Steve est meilleur que moi, je pense que je vais lui demander de faire la traduction. Donc je vais poser la question puis je laisserai Steve traduire, d'accord? Ça te va, Steve? On fait comme ça? Alors, Monique, how do you feel after this finish line? How do you feel? Oh, I feel great that I finished. Yeah, it was very hard on the bike. The third round was rain and it was very cold, but the running was very good. Yeah, I'm very happy that I finished. Ouais, je ne sais pas si Steve a eu le retour, mais bon, on peut traduire. Monique est très contente d'avoir terminé cette course. C'était très dur dans le troisième tour ce vélo parce qu'il y avait la pluie, il faisait froid. Donc voilà, Monique a un peu serré les dents, mais voilà, elle est très contente. En plus, son mari est juste à côté. Why come from here to do a triathlon in Jérémie? Yeah, I heard it was a beautiful triathlon, so I want to do it once in my lifetime. And this year it was on my list and. I did it and I'm very happy. Donc voilà, Monique qui nous dit je vais demander si c'était pour elle pourquoi elle a choisi ce triathlon, et du coup voilà, on a entendu parler que c'est un très beau triathlon, donc voilà, la renommée va vraiment au-delà des frontières, donc on est très content d'accueillir Monique ici, on lui souhaite un bon établissement. Thank you, Monique. And I want to thank Dare to Try for invited me here on the triathlon. So thank you very much. Thank you, Monique. Voilà Gaël, une belle preuve du côté international, on va dire, de ce triathlon de Jérémie avec Monique qui venait des Pays-Bas. Merci beaucoup Loïc Preganella de Alabama Productions, qu'on remercie d'ailleurs à l'occasion. Johan et Loïse, vous restez avec nous si vous le voulez bien pendant cette course. Vous avez vu défiler, quand il n'y avait pas trop de brouillard, pas trop de pluie, des sapins, des forêts de sapins, des hêtres, des érables sycomores, des clairières, des sous-bois, des brimbelles, enfin tout ce qui fait entre autres le charme des paysages des Vosges et qui nous entourent. Mais c'est aussi un département, les Vosges, où l'eau tient une place très importante. Regardez ce court sujet préparé par Thierry Lasson de Vosges Télévisions et Quentin Dousseau
d'Alabama Productions. C'est une ressource naturelle à préserver nécessairement, car sans elle, pas de vie. L'apparition même de l'existence et du développement de toute civilisation est étroitement liée à la présence de l'eau, qu'il s'agisse d'un lac, d'une rivière ou d'une source. Et le département des Vosges en est plutôt bien pourvu. Pour exemple, avec ses 38 mètres de profondeur, le lac de Gérardmer est le plus grand lac naturel des Vosges. D'origine glaciaire, il se situe à 660 mètres d'altitude. Durant les beaux jours, ces 115 hectares sont exploités pour les activités nautiques. On y pratique le canoë, la voile, l'aviron, le pédalo. On y pêche également et l'on se baigne sur ces plages aménagées. On vient aussi y applaudir ou vivre, c'est au choix, des compétitions sportives. C'est entre autres d'ici que partent les milliers de participants du triathlon de Gérardmer, dont les organisateurs, c'est une première, ont décidé cette année la suppression au ravitaillement des bouteilles plastiques. Bouteilles remplacées par l'eau du réseau, une eau de qualité pour une avancée certaine en matière de préservation de la ressource et de protection de l'environnement. Autre exemple non moins parlant est le lac de Longemer, que vont aussi en partie longer en vélo les triathlètes de l'épreuve XL. Ce lac, alimenté par la Vologne, a une superficie de 76 hectares et il est perché à 736 mètres d'altitude. On dit de lui qu'il est un miroir aux mille reflets. Lac naturel d'origine glaciaire, c'est le paradis des pêcheurs, mais on peut également s'y balader ou s'y baigner. Attention toutefois à respecter le site, il est classé réserve naturelle. On aurait tout aussi pu évoquer le lac de Retournemer, qui se trouve également sur le parcours XL et que nos sportifs, juchés sur leur vélo, auront la chance d'admirer, tout comme, et comment ne pas l'évoquer, le lac de l'Ishpa. Au cœur du parc naturel régional, dans cette cuvette glaciaire, une étendue d'eau de près de 200 000 mètres cubes, véritable tourbière lacustre, où faune et flore vivent des jours paisibles, car l'endroit est classé espace naturel sensible. Alors Aloïse, si vous n'avez pas eu le temps de découvrir toutes ces richesses, il va falloir rester un petit peu pour vous baigner dans les lacs. Bon là c'est un petit peu frais à cette heure-ci, mais ça vous aidera peut-être aussi à la récupération. Justement la récupération c'est le moment. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc ce soir à mon avis ce sera juste passer un moment entre amis, mais demain je risque d'aller courir un peu ou venir nager, mais tranquillement vu que j'ai compète la semaine prochaine, il ne faut pas que j'en fasse trop non plus. Au niveau de l'alimentation, comment ça se passe précisément? Est-ce que vous êtes affamé juste après la ligne d'arrivée ou pas? Ah non du tout, je suis suivie par une diététicienne, donc j'ai un programme très fixe pendant la course et je ne passe jamais la ligne d'arrivée affamée. D'ailleurs, je n'ai pas encore mangé, c'est mauvais, mais je n'ai pas encore mangé. Cette alimentation, c'est de la rigueur ou alors c'est du plaisir? C'est de la rigueur, mais ça reste un plaisir malgré tout. J'ai toujours aimé manger, donc ça reste un plaisir. Johan? Ouais, alors moi l'alimentation, j'ai toujours faim en fait, donc c'est toujours un plaisir quand je mange. Voilà, après c'est sûr qu'il faut faire un peu attention à ce qu'on mange, hein. Ça fait partie du truc. Après pour la récup, là, bah, on a eu la chance d'avoir des massages après la course, donc ça c'est top pour récupérer. Et puis quelques bières entre amis ce soir, et puis voilà, l'affaire sera jouée. Alors justement, on ne va pas faire des chapitres entiers là-dessus, mais en ce qui concerne l'hygiène de vie, vous dites quelques bières, est-ce que ça, on peut se le permettre quand on est un triathlète de haut niveau comme vous? Bah, c'est peut-être ce qui fait la différence entre les amateurs et les professionnels. Ah, on a enfin la réponse à la question de tout à l'heure. C'est peut-être ça. Non, oui, après, je pense qu'on passe des heures à l'entraînement. On peut aussi se faire. La vie, elle n'est pas que basée là-dessus. Il faut aussi profiter des plaisirs de la vie. Et voilà, c'est aussi ce qui fait effectivement la différence, peut-être avec les professionnels qui ont une rigueur plus importante, je pense. Je ne suis pas sûre que tous les athlètes professionnels s'abstiennent de boire de la bière. Oui, c'est sûr. Alors, après, c'est ce qui fait peut-être des fois la différence entre
entre justement un très grand champion et un champion, et ceux qui arrivent à avoir cette rigueur sur la nourriture, parce que c'est vrai que à tous les niveaux c'est important pour la récupération, c'est aussi le gasoil qu'on met dans la voiture comme on dit, donc je crois que c'est des sports d'endurance où il faut vraiment être rechargé au maximum à tous les niveaux, et c'est vrai que c'est, si on veut pas taper dans la boîte comme on dit, bah, c'est uniquement la nourriture qui nous l'apporte, et quand on sait maintenant ce qu'on mange malheureusement, bah, c'est important d'avoir d'être bien entouré, d'avoir les bons conseils par les nutritionnistes, par voilà, tout un staff médical autour, parce qu'effectivement, il a bien résumé, la vie c'est pas faire que du sport et rien manger, il y a aussi une partie plaisir, et je crois que si on veut être performant, bah, de temps en temps il faut aussi se faire plaisir, mais de la bonne manière tout simplement. Quels sont vos objectifs sportifs les prochains pour vous deux? Personnellement, j'aimerais tenter la qualification pour les Mondiaux 70.3 de l'année prochaine, mais on verra comment ça se passe à la qualif, et tout est jouable. On vous le souhaite en tout cas. Merci. Moi, pour cette année, je pense que voilà, l'objectif de la saison, c'était plutôt sur cette course-là, donc je pense que je vais terminer tranquillement, et puis je vais essayer de me concentrer sur un autre projet de coaching un petit peu, de suivre des gens qui font de la compétition, mais aussi accompagner des gens dans la reprise du sport. Après, je suis enseignant en activité physique en fait, et j'aimerais bien un petit peu me lancer un peu plus personnellement dans ce domaine-là aussi. Et ben, on vous souhaite plein de réussite aussi dans ce domaine-là. Merci. Félicitations à tous les concurrents, à vous deux, à tous ceux qui sont encore en train d'arriver, à tous les finishers, à tous les starters. Parce que finir, c'est très bien, mais prendre le départ et abandonner, ça fait partie aussi de la vie du sportif. On félicite aussi le premier Vosgien, Christophe Bétard, qui a fini 17e en 4h52.31. Je voulais remercier aussi les organisateurs, féliciter les 800 bénévoles du triathlon de Gérardmer. J'ai une longue liste de félicitations, restez là malgré tout. Merci à tous ceux qui ont participé à la création de cette émission. Alabama Production, on en a déjà parlé. Loïc Preguenella, qu'on vous a présenté tout à l'heure et qui est intervenu brillamment sur la ligne d'arrivée. Quentin Dousseau, Pierre Bannon, toutes les équipes d'Alabama, particulièrement le chef monteur Marvin Ferret. Merci à Vosges Télévisions, Johan Lagrange, le réalisateur, Jean-François Verrier, très présent dans cette oreillette qui ne cesse de tomber, je m'en excuse, mais qui était aussi très précieux, Dominique Renaud et toutes les équipes de Vosges Télévisions, le conseil départemental des Vosges et en particulier Stéphane Touvenot, qui, non content de diriger ce projet d'émission, a également couru ce triathlon XL. J'ai pas son temps précis, mais promis, on le donnera demain. Et puis, d'ailleurs, je voulais remercier Stéphane pour la préparation de cette émission. C'est un surhomme. Merci aussi à Delphine Caperon, Annabelle Lefort, Olivier Dubois-Dunila, Christelle Lapré, David Jean, André Thiébault, Magali Six, Yasmina Joumoun. J'en oublie certainement. Terrain de jeu de live, c'est fini, mais ne soyez pas tristes. On revient demain dimanche pour une deuxième émission consacrée au triathlon découverte et distance olympique. D'ailleurs, on aura la chance de voir Steve à l'œuvre, puisque demain il va y participer. Vous pourrez nous suivre, on verra Steve, on verra plein d'autres choses, on parlera récupération, on va rigoler un petit peu, je l'espère. Ok. Pas du tout, c'est pas notre genre. Et puis, donc on se retrouve à partir de 16h en direct, évidemment, toujours sur Vosges Télévisions et Facebook, la page Facebook de Terrain de Jeu. Cette émission continue à vivre sur les réseaux sociaux avec les hashtags TDJ Live et Je vois la vie en haut en Vosges. Nous comptons sur vous pour y participer. Steve, passez une excellente soirée. Héloïse, excellente soirée aussi. Johan, excellente soirée. Merci. Et n'oubliez pas, je vais le remettre. Je l'ai mis beaucoup avant que le soleil ne vienne, mais n'oubliez pas, je la vois, doudoune. Tu vois, il voit, vous voyez, il voit, nous voyons tous. La vie en Vosges. Merci. Exactement. Excellente soirée à vous et à bientôt. Ciao. Au revoir.
Thank you.